Nous ne savons plus rêver. Nous n'écoutons plus la plainte du vent dans les feuillages, ni le frémissement des bruyères sur la lande. Et nous ne savons plus voir à travers le miroir. Pourtant, les images des contes nous font signe. Laissons-nous entraîner dans une forêt un peu mystérieuse. Là, dans une clairière, il y a longtemps déjà, se trouvait la pauvre maison d'un marchand de balais, quelque part, au-delà du Rhin. Retrouvons deux enfants, Gretel la fille et Hansel le garçon à peine plus âgé que sa sœur. Le père Peter est allé à la ville essayer de vendre ses balais et la mère Gertrude est partie tôt le matin ramasser du bois mort. Vous mangez que du pain sec. Oh, j'ai presque oublié le goût des galettes et du pain brioché. Oh, Hansel, quoi? Si tu cesses de te plaindre, je te confierai un secret. Un secret? Écoute, frérot, regarde ce pot. Il est plein de lait. C'est la voisine qui nous l'a donné. Dès que la mère rentrera, je suis sûre qu'elle nous préparera un délicieux riz au lait. Du riz au lait? Chic alors! La crème est-elle bien épaisse sur le lait? Je voudrais la goûter. Hansel! Quoi? N'as-tu pas honte? Oh, bats les pattes, mais... vilain gourmand! Retourne à ton travail! S'il n'est pas terminé quand mère rentrera, elle punira le paresseux. Et toi, t'as même pas fini ta chaussette. Travailler, quelle idée. Mais moi j'ai envie de m'amuser. Hé, dansons un peu. Danser? Pourquoi pas? Chantons la chanson que cousine Frida nous a apprise. Ah oui. Dem Händchen klapp, 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 einmal hin, einmal her, rundherum, es ist nicht schwer. Mit dem Fischchen klapp, 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 mit dem Händchen klapp, 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 einmal hin, einmal her, es ist nicht schwer. Ei, das hast du gut gemacht, ei, das hätte ich nicht gedacht. Seht mir doch den Hänsel an, wie der tanzen lernen kann. Tick, 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 einmal hin, einmal her, rundherum, es ist nicht schwer. Mit dem Köpfchen, nick, 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 mit dem Fingerchen, tick, 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 einmal hin, einmal her, es ist nicht schwer. Bravo! Oui, oui, continuons, 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 allez, allez. Oui! Ich tanze, lass dich nicht mehr neu. Du bist der Strumpf und nicht mehr ganz. Die Furcht versteckt mir neu. La 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 la
mauvais garnement. Vous appelez cela travailler? C'est Gretel. C'est Hansel. Criez, chantez, sautez et dansez comme à la kermesse, tandis que vos parents du matin à la nuit tombée peinent pour gagner 4 sous. Montrez-moi un peu ce que vous avez fait. Comment, Gretel? Ce bas n'est pas fini. Et toi, Hansel, pendant tout ce temps, tu n'as même pas terminé ton balai. Oh, je vais vous frotter le dos. Donnez-moi mon bâton. Non. Allez ici. Non. Ah, mais je finirai bien par vous rattraper. Oh, Seigneur, j'ai renversé le lait. Nous n'aurons plus rien à manger. Comment, misérable, vous vous moquez de moi? Attendez un peu que votre père rentre. Pardon, maman. Tenez, allez dans la forêt chercher des fraises. Et si vous ne rapportez pas ce panier plein à ras-bord, je vous battrai jusqu'à ce que vous sautiez sur les murs. Oh, oui, maman. On va vite ramasser des fraises. Allez. Oh, viens, Gretel, viens. Dépêchez-vous. Oui. Mon Dieu. Oh. Nous n'avons plus rien pour vivre. Pas une miette à donner aux petits et pas un crouton dans l'armoire. Je suis morte de fatigue et de chagrin. Mais qu'avons-nous donc fait pour être si malheureux? Oh, je suis lasse, si lasse. La mère, me voilà. J'apporte le bonheur et la joie. Mère, regarde mes cadeaux. Oh, mais qui fait tout ce vacarme avec ses ralalalala? C'est la bébête enragée que j'ai dans l'estomac, qui aboie si fort. La bête enragée est bien éméchée, ce qui me semble. Oh. Tu sais que je n'aime pas que tu dépasses ton temps et notre pauvre argent à l'auberge. D'accord. Alors, dis-moi, qu'as-tu préparé pour nous régaler ce soir? Oh, bien simple est le menu. L'assiette est vide, la cave est vide, et dans la bourse, plus un sou. Sois joyeuse, mère, sois joyeuse. J'apporte le bonheur et la joie. Regarde ce que j'ai dans mon sac. Dans ton sac? Hey. Oh, que vois-je? Ah. Du lard? Hey. Du pain? Du beurre? De la farine? Des œufs et des saucisses? Hey. Des haricots, des oignons, des pommes de terre? Oh, et même du café! Doucement le père. Doucement. Mais m'expliqueras-tu d'où vient tant d'abondance? Assieds-toi
et écoute. Oui. Bon. Bientôt dans la ville, il y aura des grandes fêtes. Ah oui. Noces, kermesses, jubilés. Et moi, j'ai fait de bonnes affaires. Ah oui, car chacun a à cœur de récurer sa maison. Alors, je suis passé de porte en porte et j'ai offert ma marchandise. Qui veut acheter des balais, des brosses pour frotter, des têtes de loup pour chasser les toiles d'araignée? Alors? Alors, j'ai vendu toute ma marchandise. Toute? À prix fort. Oh! Et quand j'ai eu des sous plein les poches, j'ai couru au marché acheter ce dont nous avions besoin. Et boire une petite pinte de bière. Oh, je te pardonne. Vive les marchands de balais! Vive les marchands de balais! Ralalala! Ralalala! Hey! Mais où sont donc les enfants? Hansel! Gretel! Je les ai envoyés chercher des fraises. Tout seul? En forêt? Mais ne sais-tu pas que la méchante y habite? La méchante? Mais que veux-tu dire? Ben, la sorcière Grignotte. La sorcière Grignotte? Ouais. Mais que veux-tu faire avec ce balai? Le balai. Que fait-on avec un balai? Ben, c'est là-dessus que chevauche la sorcière. L'une d'elles, aussi vieille que les pierres, habite au fond de la forêt. C'est Grignotte? C'est Grignotte. Oh. Deux jours dans sa maison, grignota, elle attire les enfants avec des gâteaux magiques. Oh. Oui, elle saisit le pauvre petit. Oui. Et dans son four, elle le pousse brutalement. Oh. Et il n'en ressortira que lorsqu'il sera devenu un pain d'épices. Et l'enfant pain d'épices? Il sera dévoré. Par la sorcière? Par la sorcière. Oh, on vient vite le père. Courons à leur recherche. Thank you.
J'ai vu un petit homme dans la forêt. Dit qui peut être ce nain qui dans la forêt se tient, revêtu d'un rouge mantelet. Gretel, et mon panier est rempli de fraises. Oh, maman sera contente. Regarde comme ma couronne de fleurs est jolie. Mets-la sur ta tête. Mais les garçons n'en portent pas. Ça ne va qu'aux filles. Oh, Gretel, tu as l'air d'être la reine de la forêt. Coucou, 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 coucou. Gros beurre d'œuf. Coucou. 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 Gros beurre de fraise. Coucou. 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 Tu abandonnes les enfants. Coucou. Coucou. Tu gobes les œufs des autres oiseaux. Et tu rabasses. Et tu les manges. Comme ça, comme ça. Hansel, qu'as-tu fait? Quoi? Tu as mangé toutes les fraises. Maman va te punir, et elle ne plaisante pas aujourd'hui. Ne fais pas ta mijaurée, Gretel. Toi aussi, tu en as mangé. Toi aussi, tu seras punie. Vite, nous allons en cueillir d'autres. Dans le noir, sous les hêtres et les buissons, on ne voit plus ni feuilles, ni fruits. Il fait sombre alentour. Qu'avons-nous fait? Pourquoi nous être tant attardés? Écoute, ce murmure dans les arbres. Sais-tu ce que la forêt nous dit? Non, que nous dit-elle? Enfants, avez-vous peur? Gretel, je ne reconnais plus le chemin. Il va nous arriver malheur. Oh, tais-toi, la chouette. Je suis un garçon et je suis brave. Qu'est-ce qu'il luit là-bas dans le noir? C'est la robe blanche des bouleaux. Et là-bas, au-dessus de l'étang? C'est le vieux tronc phosphorescent d'un saule. Regarde, la petite lumière qui approche. Ce sont des feux follets qui vont de-ci, de-là. Attends, je vais crier très fort. Qui est là? Là, là. Il y a quelqu'un? Qu'un? Tu as entendu, Hansel? Il y a quelqu'un tout près de nous. J'ai peur. Oh, si seulement j'étais à la maison. Gretel, serre-toi contre moi. Je te protège. Voici les blanches dames des brumes. Elles nous font signe. Papa! Maman! Sœurette, vois ce petit homme là-bas. Qui peut-il bien être? N'ayez pas peur. Je suis le petit marchand de sable et ne vous veux aucun mal. Le marchand de sable? J'ai sommeil. Ich kleine Nebelschmerz.
Mmh.